fait un petit risotto pour colmater le ventre et éviter de... Germer. Là d'habitude tout là c'est une surface piétonne et on peut dire que là c'est un petit peu titanique hein. C'est ouf. Oh putain. Je sais pas si vous avez suivi les infos ces derniers jours mais il y a une tempête qui fait rage en France du nord à l'ouest, c'est la tempête Eleanor. Il y a eu pas mal de coulées de boue, il y a eu pas mal de crues etc. Et on le retrouve à Lyon, c'est inondé, le Rhône il est totalement sorti de son lit. De son lit, des deux. Il y a une masse d'eau, c'est incroyable. Incroyable. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog, bienvenue. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, si vous avez bien lu le titre. Il s'agit d'un petit problème dont j'aimerais bien parler avec vous. Damn. Il y a très peu de personnes qui sont au courant, ma famille et peut-être deux ou trois amis. Mais le fait de faire cette vidéo, c'est une vraie victoire. Pouvoir dire, j'ai vaincu cette merde. Tiens, hop, je t'ai niqué. Il y a quelques semaines, j'ai fait une conférence devant près de 500 étudiants sur la motivation. L'occasion pour moi de les motiver, de leur donner envie de se bouger les fesses. Et c'était surtout la première fois que je parlais de quelque chose qui m'affecte profondément. D'un handicap que j'ai depuis que je suis tout petit. Le bégaiement. Alors le bégaiement c'est quoi? C'est un problème de parole qui fait qu'on a des difficultés à parler de façon fluide. C'est-à-dire qu'on peut répéter des syllabes, on peut buter en début de mot. Petit! On peut dire aujourd'hui que je suis sorti de cette galère après plusieurs années de suivi en orthophonie. Et je vais vous dire aujourd'hui pourquoi ce handicap est devenu un véritable moteur et qui a fait ce que je suis devenu. Déjà en parler devant autant de personnes lors de cette conférence, c'était une vraie victoire sur la vie parce que pendant mon enfance, c'était compliqué. Ça, c'est moi, Julien Fabreau, 8 ans. C'est à peu près à cet âge-là où j'ai commencé à beaucoup bégayer. C'est-à-dire que j'avais des difficultés à parler. J'étais suivi 2 fois par semaine par une orthophoniste. Si tu vois cette vidéo, Juliette, merci pour tout ce que tu m'as apporté. Et c'était une période très compliquée parce que déjà, il y avait l'école. Donc, qui dit école dit regard des autres. Et il fallait, bien sûr, s'exprimer en public. Julian, could you please read the first sentence in English, please? J'arrive pas. Il fallait bien parler devant les autres et c'était assez compliqué pour moi. Faut bien avoir conscience que le bégaiement, c'est pas qu'une surface visible. On a une partie émergée et une partie immergée. Et c'est pourquoi on compare souvent le bégaiement à un iceberg. Quand je prenais la parole, parfois je bloquais, donc les autres entendaient que je bloquais. Il y avait des sourires, des incompréhensions et parfois des moqueries. Ça, c'est la surface visible, le bégaiement. Cependant, il y a une partie bien plus importante et bien plus difficile à vivre, c'est la partie en dessous, tout ce que les autres ne voient pas. C'est la partie en dessous de la ligne de flottaison. On y retrouve la peur, la honte, la culpabilité, l'anxiété, le désespoir ou encore l'isolement. Généralement, la partie traitée par les orthophonistes est la partie émerger. Les accidents de parole, les gestes, la respiration, l'articulation, etc. Et la partie en dessous, c'est la partie la plus difficile à soigner. Comme tout handicap, on a la partie visible et la partie personnelle, intime, que les autres ne voient pas. Et c'est ça qui fait clairement chier, hein, on va pas se le cacher. Tout ça pour vous dire les amis, ce handicap est devenu un vrai moteur, une locomotive. Pendant toutes ces années, je pensais ne pas être normal ou être différent. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est ce qui m'a forgé et qui m'a toujours poussé à me dépasser. Comment Julien, comment? J'ai jamais voulu m'empêcher de vivre à cause de ça et c'est pour ça que, d'ailleurs inconsciemment, je me suis orienté à la fin du lycée vers des études commerciales là où la parole est votre principal atout. Je vais vous présenter aujourd'hui le stylo Reynolds Medium 048. Ce stylo incroyable va pouvoir vous permettre de repeindre votre maison ou bien de planter votre voisin s'il vous fait chier avec sa pointe hyper fine. Ça c'est beau. C'est là qu'on se dit que le subconscient est quand même incroyable. En fait le subconscient c'est...
une base de données géante qui va stocker tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on apprend, les bonnes expériences et les mauvaises expériences. Et quand on est confronté à un choix, notre conscient est soumis à la suggestion du subconscient qui puise dans sa base de données pour influencer notre choix. Et ce que je me rends compte, c'est qu'à chaque nouvelle étape de ma vie, je suis allé inconsciemment à l'encontre même du bégaiement. Parce que j'ai commencé comme commercial, ensuite j'ai repris les études en com, ensuite je suis devenu community manager, ensuite j'ai commencé à faire des formations à des équipes marketing sur le social media, ensuite j'ai créé mon blog, j'ai commencé à faire des conférences devant des dizaines de personnes, devant des centaines de personnes, et aujourd'hui je fais des vidéos sur YouTube, c'est-à-dire que ma voix me permet de faire ce que j'aime et ce que je veux, et aujourd'hui j'ai aucun frein, je fais ce que j'ai envie de faire. Chacun a des problèmes et personne n'est parfait. Mais ce que j'ai appris avec cette expérience, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec et transformer le négatif en positif. Et le positif, c'est ça qui va vous faire avancer. Boum ! Ça me tenait à cœur de vous en parler parce que c'est la toute première fois que j'en parle comme ça à cœur ouvert. Donc si mon témoignage peut en aider certains d'entre vous, c'est vraiment super cool. Quand je vous dis que Gaëlle, c'est une grosse geek, faut me croire. Regardez. On se retrouve à Lyon, il est temps d'avancer un petit peu sur ce mariage et de vous tenir au courant. Comme vous le savez, j'ai fait ma demande il y a quelques mois. On était au mois d'octobre à Tahiti, à des centaines de millions de kilomètres de la Terre. On avance un petit peu, donc on a trouvé déjà la salle. Donc ça sera fin septembre dans la région de Lyon, donc ça c'est cool. Ensuite, on a avancé un petit peu sur le traiteur, il nous reste à le réserver, mais c'est le second poste de dépenses. Et là aussi c'est quand même assez cher, hein, on va pas se le mentir, pas se le cacher. C'est même le premier poste. Ah c'est le premier ? Ah bah oui, largement. Oui, la location, ouais. Deuxième, la location. C'est pas. Et donc cet après-midi, elle m'a sollicité pour qu'on aille. Non mais c'est nul, enfin, c'est juste pour réserver pour une date pour essayer des robes. Elle est gênée. En fait, moi je lui ai dit la robe, normalement je m'en occupe pas, mais là elle veut qu'on aille... réserver une date, donc en fait elle va pas essayer une robe aujourd'hui, on va juste voir les magasins, c'est ça? Juste réserver? Juste que je te donne des idées. Non même pas, je sais pas, on verra. Ah, donc en fait c'est encore un guet-apens. Mais je sais pas, peut-être, c'est pour m'amener au frangin. Je sais pas si on peut... Mais non. €329 ce truc là. Ah oui, tout compris. Ça va être compliqué. Eh bien les amis, cette petite escapade à Lyon nous a appris deux choses. Premièrement, les magasins de robes de mariée ne prennent pas de rendez-vous. C'est mieux parce que sinon ils seraient complets jusqu'à mai. Et deuxième chose, il faut compter entre 400 et 1 200 €, on va dire, à peu près pour une robe. Ça fait cher. Oui, ça fait cher. Bon, même si on n'a pas pris rendez-vous, ça nous a permis de trouver les bons interlocuteurs et de savoir vers qui Gaëlle doit se tourner pour aller essayer les robes avec ses proches du sexe féminin. Bref, ça va être cool et la prochaine étape, bah, c'est à moi. Il va falloir que je trouve mon costume. J'espère que ça va pas coûter si cher parce que sinon le budget va être explosé. Hein. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que si vous avez des pensées négatives ou des handicaps, vous les transformerez en quelque chose de positif ou de moteur. C'était Julien Fabreau. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !